These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. A look at Mireille's family tree. We learn about many relatives going all the way back to her great-grandparents. On an impromptu visit to the family's country house, we meet many of these characters, including Mireille's 10-year-old sister, who has a mind of her own. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous allons étudier la famille de Mireille. D'abord, nous allons étudier son arbre généalogique. Regardez, ceci est un arbre. Ça aussi, c'est un arbre. Ça aussi, c'est un arbre. C'est un arbre mort. Ça aussi, c'est un arbre. C'est un arbre de Noël. Et ça, c'est un arbre aussi, mais c'est un arbre généalogique. C'est l'arbre généalogique de Mireille. Voyons, où est-elle? Vous voyez Mireille? Ah, la voilà. Étudions la généalogie de Mireille. Commençons avec Adolphe Bello. En 1912, Adolphe Bello épouse Eugénie Daubois. Ils ont deux enfants, Casimir et Anatole. En 1937, Anatole épouse Jeanne Langlois. Ils ont cinq enfants. Deux filles, Georgette et Paulette, et trois garçons, François, Armand et Guillaume. En 1964, François Bello épouse Madeleine Potier. Ils ont trois enfants, trois filles. Cécile, Mireille et Marie-Laure. Si vous examinez l'arbre généalogique, vous voyez que Mireille est la fille de François et Madeleine Bello. De même, Cécile est la fille de François et Madeleine Bello. Et Marie-Laure est aussi la fille de François et Madeleine Bello. Maintenant, prenez Yvonne. De qui Yvonne est-elle la fille? Yvonne est la fille d'Armand et Arlette Bello. Revenons à Mireille. Mireille est la fille de François, la petite-fille d'Anatole et l'arrière-petite-fille d'Adolphe Bello. Prenons Georges maintenant. Georges est le fils d'Armand et d'Arlette Bello. Le petit-fils d'Anatole et l'arrière-petit-fils d'Adolphe. Étudions la famille maternelle de Mireille. Mireille a une mère. C'est qui, la mère de Mireille? C'est Madeleine Bello. Maintenant, qui est Louise Potier? C'est la mère de Madeleine et la grand-mère de Mireille. Et qui est Lucie Potier? C'est la mère de Léon Potier, la grand-mère de Madeleine Bello et l'arrière-grand-mère de Mireille. Qui est Édouard Potier? C'est le père de Léon Potier, le grand-père de Madeleine Potier et l'arrière-grand-père de Mireille. Maintenant, regardez Cécile et Marie-Laure. Ce sont les sœurs de Mireille, d'accord? Et Sophie, Sophie Potier, est-ce que c'est la sœur de Mireille? Non, ce n'est pas sa sœur, c'est sa cousine. Et Philippe Potier, c'est le frère de Mireille? Non, c'est le frère de Sophie, mais ce n'est pas le frère de Mireille, c'est son cousin.
Regardez Henri Potier. C'est le père de Sophie. Est-ce que c'est le père de Mireille? Non, c'est son oncle. Et Juliette Potier est la mère de Sophie et la tante de Mireille. Vous voulez rencontrer la famille de Mireille? Eh bien, nous allons essayer. Mademoiselle? Mademoiselle? Mademoiselle, vous pouvez nous présenter votre famille? Ma famille? Oui. Ça ne vous ennuie pas? Non. Oui, si vous voulez. Presque tout le monde est là. Commençons par mes parents. Papa, maman. Voilà mon père et ma mère. Hop. Voilà ma sœur Cécile et son mari Jean-Denis. Tout le monde dit qu'elle me ressemble. Marie-Laure? Waouh! Viens. Oh, écoute, je suis occupée. Marie-Laure, je te dis de venir tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis bonjour. Voilà, c'est ma petite sœur Marie-Laure. Mon cousin Georges et ma cousine Yvonne. Là-bas, c'est ma grande-tante Amélie. Elle a 70 ans. Elle est veuve. Son mari est mort à la guerre en 40. Ah, du temps de mon pauvre mari. À côté, c'est mon grand-oncle Casimir. Il a 85 ans. Il est veuf. Sa femme est morte d'un cancer. Ça, c'est tonton Guillaume, un frère de papa. Il a 54 ans. Il ne travaille pas. Il a de la fortune, comme dit ma tante Georgette. Il a des loisirs. Et il est toujours en vacances. C'est bien ça. C'est agréable d'avoir de l'argent. Il a de la chance, ce tonton Guillaume. N'est-ce pas? Il a des relations, beaucoup de relations. C'est utile, les relations. Il n'a pas d'enfant. Il est marié? Non, il est célibataire. Mais il adore les enfants. Surtout Marie-Laure. Guillaume est extraordinaire. Il trouve toujours du temps pour les enfants. Oui, oui, je sais. Et il arrive toujours avec des chocolats, des cadeaux. C'est facile quand on a de l'argent. Ça, c'est ma tante Georgette, une sœur de papa. Elle a 59 ans. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle n'est pas mariée. Elle est célibataire, elle aussi. Heureusement, parce qu'elle déteste les enfants. Même ses neveux et nièces. Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Mais au fond, elle est très gentille. Et moi, je l'aime beaucoup. Ben voilà. Ma tante Paulette et mon oncle Victor ne sont pas là. Mes grands-parents non plus. Grand-père ne va pas très bien. Mais je pourrais vous montrer des photos, si vous voulez. Marie-Laure? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Va chercher mon album. Oh, tu m'embêtes! Tu ne veux pas aller le chercher toi-même? Ça, c'est moi à 6 ans. Ça, c'est moi à 6 mois. Ça, c'est l'annonce de ma naissance dans le Figaro. Ça, c'est l'annonce de la naissance d'Hubert. C'est un ami. Nous avons exactement le même âge. Nous sommes nés le même jour. C'est le faire-part de la naissance de Marie-Laure. Et ça, qui est-ce? Ça, c'est Sophie, ma cousine, du côté de maman, une potier. Ah oui, la sœur de Philippe? C'est ça. Et comment est-elle?
Elle est sympathique, la petite cousine? Ouais, enfin, elle est gentille. Mais je préfère mes cousins Bello, surtout Georges. Elle est pas mal, ta cousine. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Et un sale caractère, je te préviens. C'est vrai? Ça, c'est Marie-Laure en tutu. Ça, c'est ma tante Georgette avec son toutou. Fido, il s'appelle. Ce sont mes parents. Et ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est mon grand-père. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Ça, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Monsieur de Cro-Magnon. D'ailleurs, il lui ressemble. Vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, Mireille nous présente sa famille. D'abord, elle va nous présenter ses parents. Voilà mon père et ma mère. Je te présente Monsieur Taylor. Ici, on présente le nouveau chef de service. Je te présente notre nouveau chef du service technique, Monsieur Parkran. Bonjour. Il le présente à la jeune femme. Permettez-moi de me présenter, Jean-Pierre Landru. Bah, je suis pas sûr que je vais faire les présentations. Presque tout le monde est là. Regardez bien. Tout le monde est là. Et maintenant, presque tout le monde est là. Tout le monde a des lunettes noires. Tout le monde sort. Mais il pleut. Tout le monde à l'intérieur. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Ça, c'est le père de Mireille. C'est son père. Le père de Mireille, son père. Ça, c'est la mère de Mireille. C'est sa mère. La mère de Mireille, sa mère. Et ça, c'est sa grand-mère. Ça, c'est son arrière-grand-mère. Eh oui, sa grand-mère, mais son arrière-grand-mère. Une cousine, féminin, sa cousine. Mais une amie, féminin, son amie. Maintenant, observez. Ça, c'est Sophie, ma cousine. Elle est pas mal, ta cousine. La cousine de Mireille, ma cousine, ta cousine, sa cousine. Mon cousin Georges. Le cousin de Mireille, mon cousin, ton cousin, son cousin. Voyons si vous avez compris. Ça, c'est la cousine de Mireille? Oui, c'est sa cousine. Ça, c'est le cousin de Mireille? Oui, c'est son cousin. Ça, c'est le père de Mireille? C'est son père, oui. Ça, c'est la mère de Mireille? Oui, c'est sa mère. Ça, c'est sa tante. Et ça, c'est son oncle. Ça, c'est son grand-oncle. Et ça, c'est sa grand-tante. Ça, c'est son grand-père. Et ça, c'est son arrière-grand-père. Voyons si vous commencez à connaître la famille de Mireille. Ça, c'est la mère de Mireille, Madame Bello. Ça, c'est son mari. Ça, c'est sa fille. Et ça, c'est son fils. Son fils? Madame Bello a un fils? Non, elle n'a pas de fils. Elle a trois filles, mais elle n'a pas de fils. Regardez, eux, ils ont un fils. Ça, c'est un fils et ses parents. Un père et son fils. Une mère et sa fille. Elle aussi, elle a une fille. Je veux dire, c'est votre fille? Non. Enfin, oui, c'est ma fille, je suis sa mère. Oui, c'est ma maman. Deux filles, les parents et les grands-parents. Le petit-fils, le grand-père, les grands-parents. La grand-mère et les petits-enfants. Bon, revenons à Mireille. Ça, c'est Mireille. Ça, c'est... Son père. Son père, oui, très bien. Et ça, c'est... Sa mère. Sa mère, très bien. Ça, c'est... Sa sœur. Oui, c'est sa sœur. C'est son cousin. Ça, c'est... Sa cousine. Oui, c'est sa cousine. Et ça, c'est... Qui est-ce? Ce n'est pas sa sœur, non? Ce n'est pas Cécile. Ah, c'est... Oui, c'est son amie. C'est son amie Colette. Ses amis. Sa sœur, ses sœurs, ses parents, ses cousins,
Ça, c'est sa tante. Sa tante Georgette. La tante Georgette n'est pas mariée. Elle est célibataire. Et ça, c'est son oncle Guillaume. Tonton Guillaume. Tonton Guillaume n'est pas marié. Il est célibataire. Elle est célibataire. Il est célibataire. Tante Amélie est veuve. Ça, c'est tante Amélie avec son mari. Mais son mari est mort. Il est mort à la guerre. Tante Amélie est veuve. Une veuve. Des veuves pas très sérieuses. L'oncle Casimir est veuf. Sa femme est morte. Il est veuf. Veuf, veuve. Regardez, voilà une veuve. Ah, vous êtes célibataire ? Veuve. Mon mari est mort. Ce monsieur est célibataire aussi, mais il n'est pas veuf. Il est divorcé. Mais son ami est veuf. Parce qu'il est comme vous, c'est un père célibataire, quoi. Ah non, vous vous trompez. Non, lui, il est veuf. Moi, je suis divorcé, deux fois. L'oncle Guillaume est riche. Il a de la fortune. Il a de l'argent. Il y a une fortune dans cette valise. L'oncle Guillaume ne travaille pas. Il a des loisirs. Elle a des loisirs. Lui aussi, il a des loisirs. Eux aussi, ils ont des loisirs. Eux aussi, ils ont des loisirs. Et lui aussi a des loisirs. Elles aussi, elles ont des loisirs. Ce monsieur a des loisirs. Mais lui, il n'a pas de loisirs. Mais l'oncle Guillaume, lui, a des loisirs. Il a beaucoup de loisirs. Il a du temps. Il est toujours en vacances. Regardez, ils sont en vacances. Eux aussi, ils sont en vacances. Eux aussi, ils sont en vacances. Elle aussi, elle est en vacances. Tonton Guillaume est toujours en vacances. Il a de la fortune. Il a de l'argent. Il a de la chance. Marie-Laure aussi a de la chance. Choisis. Ah, t'as de la chance. 9. 3. 9. 5. T'as de la chance. Lui aussi, il a de la chance. Tonton Guillaume a des relations. Il a beaucoup de relations. Tonton Guillaume adore les enfants. Lui aussi, il adore les enfants. Tonton Guillaume arrive toujours avec des cadeaux. Marie-Laure a de la chance. Elle a toujours des cadeaux. Eh bien, tu en as des cadeaux. T'as vu ? Un cadeau. Lui, il achète des cadeaux. Tonton Guillaume n'a pas d'enfants. Monsieur et Madame Bello ont des enfants. Vous avez des enfants aussi, je crois bien. Mais oui, j'en ai 4. Vous avez des enfants ? Ah non, je ne suis pas mariée. Vous avez des enfants ? 3. Une grande fille et 2 garçons. Est-ce que vous avez des enfants ? Vous en voyez une ici et l'autre est à côté, pas très loin. J'ai 3 enfants. Des filles ? Une fille. Vous avez des garçons aussi ? 2 garçons. Mais tonton Guillaume n'a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants, mais il a des neveux et des nièces. Marie-Laure, par exemple, est une nièce de tonton Guillaume. Georges est un neveu de tonton Guillaume. Lui aussi, il a un neveu. Vous avez sauvé mon neveu. Oh oui, vous avez sauvé notre neveu. Une nièce, un neveu. Tante Georgette a des neveux et des nièces, mais elle n'a pas d'enfants. Heureusement, parce qu'elle trouve les enfants agaçants. Les enfants l'agacent. Regardez. Le Cyprien, musicien, papa... Arrête, tu m'agaces. Oh, papa somnambule et moi je ne fais rien. Jules et Hercule, Cyprien, musicien. Est-ce que tu es agaçante ?
il est agaçant. Tante Georgette trouve les enfants agaçants et fatigants. Dis, Tante Georgette, tu peux me l'arranger? Est-ce que tu peux être fatigante? Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Les enfants ennuient Tante Georgette. Mais le vieux professeur ne l'ennuie pas du tout. Ça ne vous ennuie pas que je travaille là? Non, pas du tout. Ça n'ennuie pas du tout. C'est le verbe ennuyer. Les enfants ennuient leur grande sœur. Oh, c'est malin! Super malin! Marie-Laure ennuie Mireille. Arrête! Arrête, tu m'ennuies! Elle l'embête. Arrête, tu m'embêtes! Quand Mireille demande à Marie-Laure d'aller chercher son album, ça l'ennuie, ça l'embête. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Va chercher mon album. Oh, tu m'embêtes! Ça l'ennuie, ça l'embête, parce qu'elle est occupée. Oh, attends, je suis occupée! Ici, elle est occupée. Mais ici, elle n'est pas occupée. Ici, elle est occupée. Tante Georgette aussi est occupée. Ici, tonton Guillaume n'est pas occupé. Mais ici, il est occupé. Regardons un peu l'album de Mireille. Ça, c'est un faire-part de mariage. C'est le faire-part de mariage de Cécile et Jean-Denis. Ça, c'est un faire-part de décès pour la mort de la femme du grand-oncle Casimir. Ça, c'est un faire-part de naissance. C'est le faire-part de la naissance de Mireille. Ça, c'est Mireille à la naissance. Ça, c'est la naissance de Vénus d'après Botticelli. Ça, c'est la naissance de la Vierge de Murillo. Ça, c'est une double naissance. Ça, c'est une annonce du journal Le Figaro. C'est l'annonce de la naissance d'Hubert. Et ça, c'est une photo de Cécile. Elle ressemble beaucoup à Mireille. Tout le monde dit qu'elle me ressemble. Elle se ressemble. C'est incroyable ce que tu peux ressembler à ta grand-mère, là. Ça, c'est l'arrière-grand-père de Mireille. Marie-Laure dit que Mireille lui ressemble. D'ailleurs, elle lui ressemble, vous ne trouvez pas? Ça, c'est une photo de Sophie. Elle est pas mal. Elle est pas mal, ta cousine. Elle non plus, elle n'est pas mal. Lui non plus, il n'est pas mal. Robert non plus, n'est pas mal. Lui, il est moins bien. Lui, il n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Mais qu'est-ce que tu t'imagines, que j'ai le temps d'aller au cinéma? Oh, mais tu m'embêtes! Elle n'est pas mal, mais elle a un sale caractère. Elle a 17 ans et un sale caractère, je te préviens. Il y a beaucoup de gens qui ont un sale caractère, je vous préviens. Tenez, regardez. Ce monsieur a un sale caractère. Lui aussi, il a un mauvais caractère. Lui aussi a un sale caractère. Elle a un sale caractère. Cet agent de police a mauvais caractère. Celui-ci aussi a mauvais caractère. Il a un sale caractère. Bon, maintenant, écoutez cette conversation entre Mireille et Jean-Denis, et puis vous jouerez le rôle de Jean-Denis. Ça, c'est Sophie, ma cousine. Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle? Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle? Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle? Elle a 17 ans. Et un sale caractère, je te préviens. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Bon, maintenant, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de Marie-Laure en tutu. Et ça, c'est Tante Georgette et son toutou. Toutou, tutu. Maintenant, attention. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une maison en Bretagne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est un arbre. Qui est-ce? Ça, c'est ma tata. Elle est très gentille. Qui est-ce? Une personne. Tante Georgette, tonton Guillaume, ma cousine. Qu'est-ce que c'est? Une chose, une maison, un arbre, une photo, un toutou. C'est qui, ça?
Qui c'est, ça? C'est qui? On dit qui est-ce? C'est qui? Qui c'est? Qui est-ce que c'est? Qui est-ce? C'est pareil. Alors c'est qui? Je ne sais pas. Maman, c'est qui, ça? Qui est-ce? C'est votre arrière-grand-père, Adolphe Bello. C'est quoi? On dit qu'est-ce que c'est? Bon alors, qu'est-ce que c'est? Bah, un lapin, évidemment, avec un œil rouge. Bon, à vous maintenant. Voyons si vous pouvez répondre. Qui est-ce? C'est le père de Mireille? Non, c'est sa mère. Qui est-ce? Sa tante? Non, son oncle. Et ça, c'est qui? C'est qui? On dit qui est-ce? Bon, bon, bon. Eh bien, qui est-ce? Deux jeunes gens. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est mon bâton.